Resident Evil 6. Et salut à tous, c'est Darkmania, je suis ravi de vous retrouver donc pour la suite de notre aventure avec Resident Evil 6, la campagne de Sherry et de Jack. Voilà, bah écoutez, on continue, on s'est arrêté juste devant cette porte. L'enfer n'est pas fini. C'est parti. Ok. Ah bah normalement on nous repère pas si tôt. Bon. C'est bien au contraire. Hein, c'est... Le plus tôt qu'on est dans l'action, le plus tôt ça va. Bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment, faut que ça commence. Les cocons, hein. Je crois que les cocos comme ça ne se réveillent pas. À moins que je me trompe. Ah si, dans le niveau... Je pense que c'est pour le niveau hard, ça. Que le cocon se réveille. Ah non, d'accord, bah c'est une nouvelle. Okay. Espèce de saloperie, là. J'aime pas cette bête. Vous savez que j'aime pas cette bête? Bon, allez, je vais être zen, je vais pas m'énerver, je vais pas... Le problème, je m'énerve parce que j'ai peur en fait. Et la peur. Alors, lui. Voilà, par exemple. Voilà. Et tous ces cocons. De ouf quoi. Ah oui, j'ai oublié. C'est ici non? Mince, c'est où? Quelque part par ici, vous avez un emblème. Lol, je sais plus où c'est. Il y a d'autres ennemis, hein. Oui, je sais pas où il va. Je préfère me les faire comme ça, moi. Je vais conserver le plus possible les autres armes. Je vais aller doucement. Hein. Je vais aller très doucement, je vous le dis tout de suite. C'est une bonne raison, c'est que... Voilà, il y a des... Des mutations, tout simplement. Ah, ils sont nombreux, donc... j'ai trop de munitions. Là, lui, il monte là-haut. C'est bizarre. Oh putain, lui, il se réveille. Vite. Chérie, c'est ouvert. Et oui, c'est lui qui a ouvert la porte. L'abruti, là. Dès qu'on ouvre la porte, ces trucs là, ils... ils meurent pas quoi. Hein. La boutique première là qui ouvre la porte. Pourtant j'étais persuadé d'avoir vu un emblème par ici et je ne vois pas. Par contre, j'ai oublié un truc. Donc à faire, hop. Oui, normalement ici, un emblème ici.
C'est lui qui a été ouvert la porte, vous voyez? Et dès qu'on ouvre la porte, bah vous avez compris que les deux trucs se réveillent. C'est pas grave. Je crois que c'est en haut, justement, qu'on voit l'emblème. Mais comme il est passé déjà, on peut pas y aller. Ah, il est têtu ce mec. Lui, je crois qu'il se réveillera pas, lui, hein. À moins que je me trompe. Peut-être que si je me trompe. Oh là, ici, oui. Ici, pensez pas que les gens sont morts, hein. Évidemment. Ça pue la charogne, comme en Édonie. Bah, on pourrait y aller direct. Sans perdre de temps. Ah. Mais il y a des abrutis qui vont nous arrêter. Non, je fais n'importe quoi. Ah, fais attention, les qui se réveillent pas, eux. Et eux là. Mais je sais qu'ils vont se réveiller. J'ai peur d'oublier un machin. Voilà, évidemment. Ça c'est nouveau, normalement. J'ai pas eu ça tout à l'heure. Je joue aux pompes, hein. Par contre, Jack est un lâche, je vous le dis tout de suite. Jack est un gros lâche. Vous verrez ça dans le. Dans le chapitre 5. Que Jack est un gros lâche. Alors ici en haut, ah, c'est ici en haut, sur le côté. Ici là sur le côté. Voilà ici. Alors, ici. Ici sur le côté là. Là c'est vide mais vous avez un pompe. Normalement. Alors, vous avez un pompe. Vous trouverez le pompe ici. Là. Ici. Si c'est la première fois que vous jouez, évidemment. Bah moi, je vais y aller. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, c'est un peu... Voilà, c'est... C'est moi qui vais en pâtir, évidemment. Joli. Tu me demandes même pas si je vais bien. Alors on a un emblème. Alors ici on a des personnes. Hein. Mais pas que des personnes. On a des mutations. Jack a fait très vite pour venir me rejoindre, ça c'est bien ça. C'est normalement... c'est le dernier à venir ici. Alors faire très attention. Voilà. Avec le pompe, ça va tout seul. Vous voyez, je vais utiliser ça. J'utilisais le pompe parce qu'il y en a un deuxième. Et oui.
pensez vous en tirer? Non. Évidemment non, hein. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Les développeurs... vous veut du mal. Et vous veut que vous souffrez, alors... vous allez souffrir, voilà. Moi je vais monter là-haut. Ça me ferait du bien, voilà, de monter là-haut. Pour que je vois mes ennemis. Alors je sais pas pourquoi je monte là-haut, mais je monte là-haut. Pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Alors on va prendre ça, parce que lui... voilà, évidemment. Bon, je crois que c'est le chemin, donc... en bas, il y a des messieurs, là, on va... sniper. Ah là 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 là. Quelle misère qu'on te fait. On va te calmer direct là. Et on va te calmer direct. Voilà. Normalement il y a un emblème quelque part. Ici je crois, voilà, ici là, vous voyez. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez la voir... en passant par là, là où je vais passer, je vais ouvrir une porte. Et en ouvrant la, en ouvrant cette porte, il est pas mort lui. Fusil à pompe. Pour une fois que c'est pas moi qui est en bas. Le problème c'est je crois qu'il fait le tour. Donc ils vont venir me rejoindre. Donc. Ah putain, voilà. Je crois qu'il y en a un deuxième. Voilà. La crèche charognard. Voilà, comme ça au moins, quand j'ouvrirai la porte, j'aurai plus de problème. Voilà. L'emblème, vous pouvez le choper là. Quand vous sautez ici, vous viendrez là, vous pourrez le choper d'ici. Voilà. Moi, je l'ai chopé de là-bas, mais vous pouvez le choper d'ici. Qui est vachement plus facile, évidemment. On va aller libérer lui, normalement il n'y a plus de problème, là j'ai éliminé les ennemis. J'ai bien normalement. Parce qu'avec la normale dans ce jeu... Allez viens mon ami. Voilà, normalement... ici... l'emblème que j'ai visé tout à l'heure se trouve ici. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc pour le moment, il y a tous les emblèmes. Donc je n'utiliserai pas cette arme. Il vient quand il veut, lui, hein. D'accord. Ok, bon, les ennemis, c'est pas terminé. Il y a pire, là, qui vous attend. Voilà. Même à la rigueur, je vais me préparer. Voilà, je vais... dépêcher, parce que lui, je sens qu'il va enclencher le script. Et après, c'est trop tard. Voilà, donc, je vais me préparer. Au combat. Vous allez comprendre assez vite pourquoi je me prépare au combat. C'est parti. Bah, dites-moi bonne chance. Ouais.
t'approche pas. Alors voilà. Faire découper. Ouais, merci. Alors c'est headshot, hein, si vous approche. Voilà, évidemment. Elle en veut qu'à moi. Donc voilà, elle va s'en prendre à moi. Moi je suis pas con, je me mets en haut parce que je crois qu'elle peut pas monter. À moins erreur de ma part. Que je vais faire? Bah ça servit à rien. Je vais remonter par là parce que là voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Si elle monte en haut, c'est de la triche. C'est de la triche. Elle a tué, hein, tout simplement. Voilà. Je crois qu'il est mort. C'est ce qu'on croit. Ça va ouvrir une passage, mais avant, on prendra des murs, on va prendre ça. Bon, je suis plutôt bien sorti. Je suis encore vivant, je suis pas mort une seule fois. C'est bon, c'est ok. Pour les emblèmes, c'est ok. On est back, on est parti. Mon kiki, mon coco. L'avion de Léon s'est écrasé donc. Évidemment. Voilà, ok. On va utiliser ça. Est-ce que j'ai assez? Moi, ouais, je. Écoutez, je vais peut-être vous laisser là. Parce qu'après, c'est un combat qui va être long et chiant. Donc, ouais, je vous laisse là et je vous ferai le combat long et chiant, le dernier combat de ce niveau ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre des pouces verts. Ça fait énormément plaisir et ça motive la personne à continuer ce petit guide. J'espère que je vous aide, en tout cas. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo, c'est important, on n'y pense pas. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça serait pas mal. Pas compliqué. Non, non, c'est pas compliqué, il y a pire. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!